pense, ballon porté et touche, c'est tout le temps important dans tous les matchs. Mais spécialement dans cette match, ça va être plus important parce que il est très bon, Carcassonne, en touche, en conquête, en mêlée aussi, en ballon porté. Mais on a fait travailler toutes les semaines pour ça, pour les conquêtes. On va voir, on pense qu'on est prêt dans cette conquête. Oui, quand j'ai un ami qui a joué avec Carcassonne il y a 12 années, il s'appelle James Connolly, il joue 2 matchs avec Carcassonne. Et quand j'ai vu son match avec Carcassonne, il est dans les playoffs, dans le top 6. Et ça, c'est intéressant. Ils sont 6e maintenant, mais je pense ils sont une très bonne équipe avec un ballon porté, bien touche. J'ai joué contre Rob Harley et Reinhard Lanman qui a joué à 2e ligne pour Carcassonne. Et Rob Harley a joué avec l'Écosse et Lanman est un très bien joueur avec beaucoup d'expérience. Donc, ce sera un match difficile dans le touche et le ballon porté pour nous. Et oui, ils ont beaucoup de joueurs bien individuels dans les backs aussi. Il faut s'attendre à tout, à tous les gestes, à toutes les formes de jeu, mais surtout on sait qu'ils sont très très forts sur les phases des mauls, qu'ils en marquent beaucoup des essais, qu'ils enclenchent beaucoup des mauls. Et c'est une équipe compétitive, vous dire qu'aussi ils sont capables de déplacer le ballon, vu leur qualité des pelouses, parce que ça aussi ils ont eu un projet avec leur collectivité extraordinaire, que Labit était suivi. Et ça, ça donne. Ça donne à réfléchir aussi qu'ils ont des ambitions, ils ont vraiment des ambitions de réussir.